Salut à tous, c'est Arnedaï, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une démo du jeu Minami Lane, un petit jeu de gestion simulation qui a l'air très sympa, dans lequel on doit gérer une petite rue toute mignonne avec des animaux tout mignons. C'est comme ça que le jeu m'a été pitché, on va le découvrir ensemble. Les démos en ce moment sont très courtes, donc je ne teste pas avant pour éviter de me spoiler et surtout de pas être en mode « Ah, il faut que je fasse ça, j'étais déjà au courant avant, tu vois ». Donc bon, on y va, on découvre le jeu et j'espère que ça vous plaira. Alors, la rue est triste et vide. Laisse-moi voir si je peux la rendre plus vibrante avec des voisins avec moi. La mission, avoir 15 villageois et 75% de satisfaction et construire un boba shop. Optionnel, gagner en 10 jours ou moins. Ok, on va ajouter un... D'accord, donc ça me coûte 2 ronds. Un boba shop, c'est ça. Ah, mais il faudrait déjà plus de monde. Alors, on va essayer de mettre un ramen shop. J'ai 280 monnaies, d'accord. Une maison pour avoir plus de voisins. On va mettre des voisins. Oh, j'aime bien ce toit-là. Je le trouve joli. On peut changer la couleur du toit. D'accord, on peut changer ça. Bah, laisse comme ça, ça me va. Ah, je ne peux pas faire grand-chose. Ok, bah, start day. Donc là, il y a plein de gens qui vont passer. C'est super. Ok, bah pour l'instant, le problème, c'est qu'ils vont pas m'apporter d'argent, du coup. Mais par contre, ils sont contents. Les gens sont heureux, quand même. C'est cool. On n'a pas de shop. On n'a pas de satisfaction pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi le problème? Ils veulent de la beauté. Ils veulent acheter des choses. D'accord, ok. Eh ben, on va s'en occuper. Deuxième jour. On va construire un bâtiment de ramen. Ou un boba shop. Ils en voulaient. Ouais, mais c'est pas encore assez beau. Essayons de faire un magasin de ramen pour gagner de l'argent le plus rapidement possible. Parce que là, on a bien compris que c'était compliqué. J'aime bien comme ça, en bois, c'est joli. On va mettre en bleu. Et je vais laisser un peu comme ça, c'est bien. J'aime bien côté bois. Ah, on peut augmenter les prix, d'accord. Donc attends. En augmentant les ingrédients, on augmente les prix. Profit, d'accord. Ok. Bah, on va gagner 5$. C'est pas mal, je pense. Ok, bah j'espère que ça va le faire. De toute façon, on peut rien construire de plus, donc start day, ok. Il y a des lunettes qui traînent par terre, pourquoi? On peut les ramasser, ça fait gagner de l'argent, d'accord. Ah, ils vont au ramen, ça nous fait récupérer de la monnaie. Ils vont au ramen, ils commencent à être contents là, c'est cool. Allez au ramen, les gars. Allez-y, payez, voilà, parfait, ça me va. Voilà, allez-y les gars, il faut de l'argent. Ok, alors, qu'est-ce qu'ils ont pas aimé? Shop 20... le prix est 10 sur 10 parfait, donc je pourrais peut-être augmenter le tarif d'ailleurs. Satisfaction, ça commence à augmenter. Le prix sont juste parfaits. Ils ont bien kiffé le prix. On va l'augmenter encore un peu. On va augmenter le prix de 2$. Ça devrait être cool. Je crois qu'ils ont vraiment l'air de kiffer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? On va ajouter un bâtiment, il n'y a pas de raison. Ramen Shop, j'en ai déjà une autre maison, pourquoi pas. Un parc, ça peut être très joli. On va mettre un parc. Ah, il faudrait 150 de moulas. Ah, c'est la merde. Il n'y a pas une autre maison? On peut pas acheter d'autres choses. Ok, par contre, je pourrais mettre une autre maison. Vas-y, on va mettre une autre maison juste à côté, avec un toit cette fois-ci, comme ceci. En couleur comme ça, avec ça. Le jeu est très beau, le jeu est mignon, j'aime beaucoup. Ok, start day. On y va. Normalement, j'ai plus de monde. Donc, normalement, plus de clients, beaucoup plus de clients. Voilà, c'est ça qu'on veut. On va gagner trop de fric, c'est parfait. Et les gens ont l'air d'être heureux. Hein. Là, je ramasse aussi les détritus. Ok, ça me va. On a réussi à tout collecter. Alors, jour 4. C'est typiquement le genre de petit jeu qui me rend complètement addict. Ah, ils ont moins kiffé les prix, par contre. Ils ont moins kiffé les prix. Bah, dans ce cas, j'ajoute un peu de porc et un peu de nouilles. Voilà, dire ça comme ça. En attendant, je vais rajouter un bâtiment. Un autre ramen shop, ça serait pas intéressant. Pour l'instant, avec 4 bâtiments, non, je vais juste attendre. On va passer un nouveau jour. Lunettes, c'est fait. Les tritus, je ramasse. Est-ce que les gens sont contents ou pas? Les gens ont l'air contents. Les gens disent que le prix est juste, c'est cool. Voilà, paye un petit peu. Normalement, on est bon avec ça. Ah, ils ont le temps de sympathiser ensemble, c'est cool. Voilà, repaye. Ah, détritus, j'enlève aussi. Normalement, avec 188, on devrait être grave bon. Ah, ils ont fait moins de ventes. Le prix 9... Ah, bah oui, la recette, ils aiment bien le prix 9 sur 10, donc c'est cool. Faudra encore essayer de gérer ça.
Donc le prix pour eux est encore un peu cher. Et vous donne une recette un peu plus élaborée. Plus de porc, moins de profit, plus d'œufs et plus de trucs. On va voir. Est-ce que ça marche? J'en sais rien, mais on va voir. Je pourrais ajouter quoi comme bâtiment? Un parc augmenterait la beauté. Vas-y, on va construire un parc. Voilà, avec quoi? Ouh, on peut choisir différents parcs. J'aime bien celui-là, il est joli. Je vais prendre celui-là, je l'aime bien. Non, j'aime bien les couleurs de base. Vas-y, go, on balance. Et on pourrait aussi acheter des upgrades. On pourrait upgrader un... Je perds l'upgrade. Non, je pense que je peux pas. Vas-y, bah go, on y va. Normalement, ils vont pouvoir kiffer, là. Ils vont se balader, hein. Je crois que le prix, il a kiffé, le frérot. Il faudra peut-être plus de gens, hein. Ah, poubelle. Personne va dans le parc. J'ai fait un parc, allez-y. Ah, enfin quelqu'un va dans le parc. Ah bah il a kiffé mais sans plus. Attends, qu'est-ce qu'il a lui? Bite blonde, je sais pas ce que ça veut dire blonde. Je pense que j'ai quelque chose, d'accord. Tanuki quelque part. Toi tu pensais quoi? Que c'était joli? Le prix était Ah, je trouve que c'est pas cher. Donc j'ai perdu de l'argent. Ah, j'ai perdu de l'argent. Non, je vais pas perdre d'argent. Donnez-moi de la moulaga. Ok, bah j'augmente le prix un petit peu, on va pas se cacher. Attends, ils en pensent quoi quand même? Des prix 10 sur 10, 6 sur 10 en recette. Ouais, bah j'augmente un petit peu. On fait un télé conneries aussi. J'achèterais bien une nouvelle maison en vrai. En vrai, il me faudrait une nouvelle maison, quoi. Je vais attendre, on va pas... On y va, on passe une nouvelle journée. La petite musique est bien. Ça c'est sale, ça c'est sale. Voilà, ça paie sévère. Il était dans le parc, il est content. Non? Ah, il voudrait différents shops et restaurants. Bah mais pour l'instant j'ai le même magasin avec la démo, donc si tu veux c'est compliqué quoi. Bah, par contre on a gagné tellement de moula. Ou alors je rachète un nouveau magasin de sushi là. Ah sinon j'en achète un autre et je fais juste une autre recette. Bon on va voir, on va voir. Déjà combien j'ai d'argent, c'est ça la question que je me pose. Ramen shop, non, modern house, un nouveau parc et mon boba shop. Il me faudrait 200 balles. Il faudrait 60 en satisfaction. Et pour l'instant, on est qu'à 50%. J'ai reconstruit un ramen shop, un autre. J'en construis un. On va le changer. On va tout mettre en bleu. Voilà, on est ok. Et donc toi, tu seras full 3 de chaque. Avec ça, normalement, on est bien. Je te mets un profit de 7. Est-ce qu'ils vont à deux endroits différents? Sinon, on construit une maison. Hein. Ça donne quoi? Là, déjà, ça c'est fait. Ça c'est nettoyé. Ça c'est nettoyé aussi. Est-ce qu'ils peuvent aller à deux endroits en même temps? Non. C'est soit l'un, soit l'autre. En fait, ça servait à rien ce que j'ai fait du coup. Ils s'arrêtent pas aux deux boutiques. Par contre, j'ai l'impression qu'elle attire celle-là. Elle attire. Ok, bah en fait, si, c'était utile finalement. C'était très utile finalement. Beaucoup plus que ce que je pensais. Boum. Il nous faudrait d'autres gens maintenant. Il faudrait plus de clients là. Je augmente mon potentiel de clients. 75% de... Ouais, ok, d'accord. La satisfaction, c'est bien. Ad building. Je voudrais une autre maison ou un autre parc. Une autre maison pour avoir plus de gens. Je veux plus de gens. Comme ça, bah, je vais laisser comme ça en bleu aussi. Voilà, ça sera le coin des maisons bleues. Ok, allez, plus de gens, c'est-à-dire plus de clients théoriquement. Ça c'est cool, on nettoie tout ce qu'on peut nettoyer. Je vois rien si là. Plus de gens, plus de clients, non? Voilà, allez bouffer les gars, dépensez votre argent, bande de cons là. Il faut vite que je récupère de la moula quelque part au bout d'un moment. Tiens, ça c'est nettoyé. Bon, on a parlé de la beauté par contre, on a parlé de la beauté. Il faut que j'arrive à en remettre. Et ben, directement, hop, un nouveau parc qu'on va mettre comme ceci, celui-là par contre. Non, le premier, on va laisser le premier et on y va. On enchaîne, on enchaîne. Lunettes déjà. Je sais pas ce que c'est d'air bite blonde. Je sais pas ce que c'est d'air blonde. On essaie de traduire. C'est mieux là, non? On a mis plein de parcs, on a mis des nouveaux parcs et tout. Ça devrait être beaucoup mieux. Non, vraiment? On a mis des parcs juste à côté de la maison, allez-y! Pourquoi personne va dans le parc? Je suis dégoûté, personne y va. Ah mais celui-là, il est blindé. Tout le temps blindé. Celui-là est plus la merde, mais l'autre il est blindé, c'est trop bien. Ils sont un peu plus satisfaits, c'est cool. Je crois qu'on a plus de clients quand même qu'avant. Parfait, allez-y, payez. Détritus, j'enlève.
Là aussi, j'enlève. On n'est pas trop mal. Hein. Je pense qu'on n'est pas si mal. Ce qui n'empêche, il faut que je remette encore un nouveau parc. Quoi. Bah, 10 jours, c'est mort. J'ai perdu. J'ai perdu. Mets un nouveau parc encore. Plus de maisons, peut-être ? Vas-y, je remets un parc. Ouais, j'ai pas d'argent, de toute façon. Bah, remets une maison. Jeu de maison, go. Plus de clients, ça veut dire plus de fric aussi. Donc, allez-y, les gars. Balancez tout, là. Ça, je nettoie. Ça, je nettoie. Ça, je nettoie. Allez-y, voilà, parfait. Faut que ce soit blindé avec ça. Allez-y, les gars. La patte du jeu est franchement trop, trop mignonne. J'adore. J'enlève. En vrai, c'est un petit jeu de gestion tout mignon. C'est pas forcément... Voilà, c'est pas hyper profond. On n'est pas sur un Victoria. Mais c'est pas ce qu'on attend non plus de ce genre de jeu. Mais là, on kiffe bien, franchement. Alors, attends. Je pourrais mettre une autre maison pour avoir encore plus de monde. Alors, j'augmente la beauté du lieu. J'augmente la beauté. Vas-y, go. Et là, je vais prendre le parc 2. J'ai jamais pris. Non, le 3. Avec des arbres un peu comme ça. Oh, j'aime bien cette couleur. Vas-y, let's go, on y va. Normalement, les gens devraient kiffer. C'est de plus en plus beau. On a 15 en beauté. Ils devraient kiffer, non? Une lettre d'amour. On va pouvoir livrer à quelqu'un. Pour l'instant, je vois rien. Il n'y a rien qui est sale. Y a rien qui est sale. Ça devrait le faire. Là, là. 60%. Ça y est, on va en réussir la quête. Maintenant, il nous faut juste le maximum de moulaga. Ah. Ok, il a été. Allez-y, les gars. Arrête-toi à manger, voilà, parfait. À chaque fois que quelqu'un s'arrête à manger, je récupère du fric. Donc, moi, je dis oui. Hein. Par contre, le choix des maisons, c'est peut-être une bonne idée. Ok, encore. Alors, on va essayer de mettre autre chose. Ramène, non. Un autre parc, non. On va peut-être attendre un petit peu. Je vais remettre encore une autre maison, peut-être. J'en mets une autre maison pour avoir plus de monde. Voilà, comme ça. Plus j'ai de clients, normalement, plus je gagne du fric. On est d'accord. C'est peut-être la bonne solution, quoi. Alors, allez-y, les gars. Faites-vous plaisir. Bah, allez-y. Voilà. Payez, payez, payez. C'est tout ce que je demande. Allez-y. Payez. La recette, je crois qu'en fait, ma recette, c'est de la merde ici. Alors que là-bas, c'est trop bon. En fait, faire un truc équilibré, c'était peut-être le meilleur truc à faire. Ah, mais ouais, mais je suis trop bête, en fait. J'ai pas du tout optimisé mes revenus. En fait, c'est le réglage qui te disent 3 sur 10, c'est-à-dire que c'est une recette de merde. C'est pas bon. J'essaie de me rapprocher. Attends, on va regarder. Ouais, j'ai compris trop tard, en fait. Pardon, toi, t'as combien? 7 sur 10. Et toi, t'as combien? 6 sur 10, d'accord. Donc, rajoute des nouilles. Rajoute un œuf. On va voir. On va attendre. On va rien dépenser. On va rien dépenser. Fin de tour. La lettre d'amour qu'on ramasse parce qu'il n'y a pas de raison. Est-ce que du coup, ça va tirer plus de monde chez nous? C'est la question que je me pose. Pour l'instant, on est grave bon. C'est validé. Là, c'est bon, ça se nettoie. On a 288, bah je pense qu'après j'ai gagné. On est tous à 312, on est bien, ça marche. Hein. Mais ramène là, ça marche super bien. Close. On va ajouter un bâtiment et j'ai ajouté directement mon Boba Shop. Shop, ouais, c'est ça. Construit. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Let's go. Ah! 1, 2, 3. Je pense que là, avec plein de crème, c'est bien, non? Plus de thé, peut-être? Ouais, on va faire ça comme ça, avec un bonus de 5. On va voir. Ça fait tout de quoi elle retourne, on va voir. Est-ce que ça va faire des vues, ça? Est-ce que les gens vont venir se déplacer? Est-ce que les gens vont se déplacer, pardon? Est-ce que les gens vont venir dans mon magasin? C'est ça la question. Ouais. Ouais. Les gens ont l'air refaits. Hein. Les gens ont l'air heureux pour l'instant. Pour l'instant, ça c'est ok aussi. On est très bien. On est très très bien là, financièrement. Ça commence à couler. Maintenant, faut blinder de parc pour augmenter la beauté. On a que ça. Faut blinder de parc. Ok, bah Rich, 75% de satisfaction. Quel problème? La beauté. Ils aiment pas la beauté. Ils aiment pas non plus les recettes. Ok. La recette est détestée. Le prix est correct, mais la recette est détestée. Peut-être moins de crème. On va voir. En attendant, je vais rajouter un parc. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Je rajoute un parc. Voilà. Ils ont l'air de kiffer. On va mettre les arbres un peu comme ça. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Let's go. On y va.
Et on commence un nouveau jour. Est-ce que ça marche? Donc ouais, en fait, on gère bien une rue complète. Hein. Et donc la rue, au fur et à mesure, s'allonge. Je trouve ça cool. Ils ont pas aimé la recette? Oh non, j'ai pas le temps de voir. Attends, je crois qu'il donne des indications. Qu'est-ce qu'elle dit? Moins de sucre, moins de sucre. Moins de thé, moins de sucre, moins de thé. Moins de sucre, moins de thé, ok. Le prix est abordable. Moins de sucre, moins de thé. Moins de crème. En fait, moins de tout. 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 On a compris. Moins de tout. On a compris. On a tout à fait compris. Ok, close. Je savais pas que ça donnait des indications. Je pensais que c'était au hasard. Donc, il a dit moins de thé, moins de sucre, moins de crème. En fait, j'en vais pas du coup de la crème. On va voir si comme ça, ça marche mieux. On va rajouter un autre parc. Comme ça. Ça me va. Go. Faut augmenter encore un peu la beauté. Normalement, avec ça, on est bien. Je pense qu'on a gagné au bout de 14 jours. 14 ou 15, je sais plus. Et là, pause, tu dis quoi? Attends, j'ai trop tard. Ok, tu commandes. Tu dis quoi? Moins de thé. Moins de thé, tout le monde veut moins de thé encore. Ok, moins de thé toujours. Toi, tu dis quoi? Moins de thé, d'accord. Donc le thé, vraiment, je crois que j'ai chargé. Moins de thé, tout, ouais, c'est vraiment problématique. Les gens détestent le thé, je crois. Toi aussi, moins de thé, ok, d'accord, je vois. Ok, bah c'est pas un problème. Du coup, j'ai pas nettoyé là par contre aujourd'hui. Je me suis laissé aller de fou. Hein. J'ai pas nettoyé, je me suis laissé aller de fou. Le prix est abordable. Oh, attends, m'a dit quoi? Laisse tapioca. Moins de tapioca? Encore? Continue playing, d'accord. Attends, je vais quand même faire la recette parfaite. Moins de tapioca et moins de thé encore. Bon, normalement, avec ça, on devrait être bien quoi. Allez, go, on lance. Prochaine journée. Je construis, hein. C'est juste pour faire la recette parfaite. Pour l'instant, ils en disent que du bien. Moins de tapioca. Moins de tapioca, c'est ça que tu vas me dire? Moins de tapioca, d'accord. Moins de tapioca. Pause. Tapioca. D'accord, donc en fait, le problème, c'est vraiment le tapioca. Ok, bah let's go. Toi, pareil, moins de tapioca. Et je vous mets rien du coup dans votre truc alors, je vous mets rien en fait. Comment il me saoule? Comment je suis saoulé là? Moins de tapioca. Ok, ça me va. J'ai compris, c'est bon, j'ai compris. Je vais retirer. Et on va être à combien sur la note là? Moins de tapioca, d'accord. Attends, ils disent... Ah merde, j'ai pas le temps de voir, tant pis. Alors, moins de tapioca du coup, close. Et toi du coup, t'en penses quoi alors? Ouais, donc là j'ai la recette parfaite. Je suis à 9 sur 10, avec ça on devrait être carrément bon. Je vais quand même tester, je vais ajouter un nouveau bâtiment, genre une nouvelle maison pour avoir plus de fric. Comme ça, let's go, on y va. Ils en disent quoi de ma recette? Attends, elle dit un truc. Perfect! Ça y est, c'est la recette parfaite. Perfect, c'est bon, c'est la recette parfaite. Ça y est, on a fait le perfect, on l'a. Mais en fait, si j'avais su depuis le début, clairement, qu'ils donnaient des indications sur ce qu'ils aimaient pas... On aurait fait tellement plus et 10 jours c'était acté. Hein. YOLO, hein, sans problème. Hein. 10 jours c'était plus un problème. Hein. J'ai un peu triste, un peu deck, mais bon, c'est pas grave, c'est parti du jeu. Et bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo de présentation. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner, lâche un petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. Et moi, je vous dis à plus tard. Vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je demande pas ça juste pour collectionner des pouces bleus ou collectionner des commentaires, c'est déjà, ça fait plaisir de vous lire. Et surtout, ça augmente le référencement et ça permet à la chaîne d'être un petit peu plus découverte. Et du coup, c'est le meilleur moyen que vous avez pour me soutenir. Il y a aussi un Patreon aussi, hein, si vous voulez me soutenir financièrement. Je le demande pas, il est dans la description de toutes les vidéos, faites ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, voilà, au moins laissez pouce bleu s'il vous plaît, ce serait super. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.